Yo tout le monde, c'est Apollon, aujourd'hui on se retrouve pour la boutique du 23 avril 2024. Avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à me soutenir en mettant le code créateur 4TT dans boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas à liker celle-ci, ça prend une demi-seconde et ça m'aide énormément. Du coup, on a toujours ce qui est en rapport avec Eminem. Bon, ça c'était déjà dans la première vidéo boutique que je vous ai faite aujourd'hui. Mais la première, en fait, tout ce qui était, on va dire, à la une avait été retiré. Et tous les trucs permanents restent. En fait, c'est une boutique nulle. Mais on savait qu'après la mage, elle allait changer. Du coup, on a deux danses avec, en rapport avec Billie Eilish et deux nouvelles musiques. C'est normal, car c'est la nouvelle artiste du Fortnite Festival saison 3 qui est déjà disponible. Et du coup, tout coûte 500 V-Bucks séparément et le pack à 1500. On a toujours ce qui est en rapport avec Avatar. Toujours pack de casier des champions de la TwitchCon. Ok, du coup, on a toujours la danse Swag de squelette, ok. On a Luminote pour 1500 V-Bucks. On a Skeletara, oh bizarre, un skin d'Halloween, ok. Bon, après, j'ai envie de vous dire, après le Scoot Trooper, pourquoi pas. On a Cabo pour 1500 V-Bucks et Sirocco pour 1200 V-Bucks. On continue avec Curieuse qui est toujours là. On continue avec la chef de Panda, du groupe Panda. Ça va faire plaisir à Panda, ça. On a la goule, on a la... Wesh, non mais... C'est abusé la Fortnite. Au fait, c'est un peu confirmé, c'est comme ça que je le vois, mais au fait, les skins peuvent sortir à n'importe quel moment, il ne va plus y avoir de saison particulière. Après le Scoot Trooper, après le skin qu'on a vu avant, maintenant c'est la goule qui revient comme ça, en dehors d'Halloween. À ce moment-là, même si c'est pas grand-chose, à ce moment-là, c'est-à-dire que les skins de Noël... de Pâques, Saint-Valentin et tout, peuvent ressortir à n'importe quel moment. Je trouve ça dommage. Même si les skins ne deviennent pas rares, au moins que tu as une période donnée pour les avoir et pas comme ça tout au long de l'année. Je trouve ça vraiment dommage. Vous, en même temps que la note que vous allez donner à la boutique, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage. Ok, nouvelle voiture, sinon Samouraï. Et ça, par contre, les autocollants vont se rajouter... dans votre casier, c'est chou. Au fait, à chaque fois, c'est les mêmes. Mais à chaque fois, ils nous remettent et c'est séparé des autres voitures. Je trouve ça dommage. On a... Oh, par contre, j'aime bien ces autocollants-là. Là, celle avec l'hélicorne Ando, ok, qui fait son retour. Oh, qu'on a la Turbo Sandstone qui arrive pour 400 V-Bucks. La Taxion pour 400 V-Bucks. Et la roue Masato pour 400 V-Bucks. On continue avec les instruments de musique avec la mélodie Chocomante pour 800 V-Bucks. Onctueux pour 800 V-Bucks. On a Basse à molette pour 800 V-Bucks. Une deux, ok, pour 500 V-Bucks. Mais en fait, ils sont en train de les mettre à 200 V-Bucks, là, ceux-là, alors qu'ils n'ont rien d'exceptionnel. Ça mériterait 200. Je sais pas qui c'est qui achète ça, mais vous êtes pire que des pigeons, j'avoue que là... Même moi qui, j'avoue, je prends pas mal de choses, donc je suis calmé en ce moment. Mais c'est abusé. Ok, par contre, celle-ci, par contre, elle est bien, voilà, 200. On a plein de musique encore, comme d'hab. On a les 7 Lego qui sont toujours là. Du coup, ça le passe pour un festival. N'hésitez pas à suivre, je vais vous le sortir. Bah, soit vous regardez la vidéo au moment où elle sort et je vous sors... peu de temps après la vidéo du pass pour Fortnite Festival, et si c'est plus tard, elle est déjà disponible. Et du coup, là, c'est les packs et le club. Donc, n'hésitez pas à noter cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un petit... allez, 4 sur 10. C'était Apollon. À plus tout le monde.